Salut à tous et bienvenue dans le Geek Show. Alors aujourd'hui c'est un Geek Show assez particulier parce qu'en fait on va donc découvrir ensemble le BB-8 Sphero. Donc c'est le BB-8 Sphero qui est sorti l'an dernier, donc qui était disponible pour les fêtes en 2015. Mais c'est une nouvelle édition, donc une édition, on peut appeler ça une édition collector, parce qu'en fait l'habillage du BB-8 a changé. Donc maintenant il est un peu plus abîmé parce qu'on, je suppose qu'il sera en raccord avec le film qui sortira, donc avec l'épisode 8 qui sortira l'an prochain. Et il est donc livré avec un nouvel accessoire qui s'appelle le Force Band, donc qui est un bracelet donc, avec une fonction gyroscopique. Donc vous allez pouvoir découvrir dans cette boîte. Donc là on a pu faire le tour de la boîte justement, donc, voir l'état. Comme vous voyez, elle est quand même relativement magnifique, elle est très très bien faite. Voilà, donc on sent qu'il y a une bonne finition au niveau de la boîte. Donc là on tombe sur un petit livret. En fait, c'est un livret donc, qui, pour l'activation, le branchement du Sphero sur son socle, ainsi que sur le branchement du Force Band. Et le téléchargement de l'application, donc pour l'application pour le BB-8 et l'application pour la Force Band. Donc là vous pouvez voir donc la boîte une boîte en inox donc de l'édition spéciale du BB-8, donc je suppose qu'il est dedans. Et tout en bas, voici la montre, enfin la montre, on l'appellera plutôt un bracelet. Donc voilà la fameuse donc, Force Band. Dans un petit carton. Donc la Force Band, comme vous pouvez voir, donc, avec une petite finition, donc le logo de la rébellion, pas la rébellion, la résistance maintenant. Donc c'est avec une accroche magnétique. Voilà. C'est pas un crochet, c'est pas non plus un scratch. Donc il y a un scratch pour faire le réglage au niveau de la taille, le contour, la taille du poignet. Mais vous voyez, donc là c'est directement, donc ça se met avec un aimant. Donc, aussi comme vous avez pu constater, l'état du bracelet, donc avec une finition entre parenthèses abîmée, donc un peu comme le nouveau BB-8 que vous allez pouvoir découvrir dans quelques instants, qui est encore dans son étui en inox. Ça s'accroche au poignet. Comme vous pouvez voir, c'est un petit scratch. Il se retire, donc le bracelet se retire très facilement, parce que c'est un aimant avec une sorte de petit clip, justement pour que ce soit plus facile à tenir, parce que si l'aimant ne tient pas, donc le bracelet peut tomber. Nous avons un petit tiroir. Dans le petit tiroir, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ce sont les câbles. Alors, un câble USB, donc sûrement pour la montre. Voilà. Il y a un petit livret d'instructions. Je pense que c'est les mentions, oui, c'est les mentions légales. Et un dernier. Là, nous avons un deuxième câble USB identique, donc, qui doit même être pour le socle de rechargement du BB. Donc, voilà, le Force Band est montré. Nous allons pouvoir sortir la bête. Une belle boîte en plus. Très belle boîte en inox, on peut essayer de faire ça. Très bien fini ici. Chez Sphero, on arrive à faire la couverture. Alors, c'est pas le bon sens, ça doit être le côté. Et voici le BB-8. A savoir que le BB-8 est une boule gyroscopique qui, par le biais d'un aimant, retient la tête du BB-8. Donc là, vous voyez la boule qui est toute seule, qui est la tête de BB-8 avec ses petites antennes, mais tout mignon. Vous pouvez voir, donc ils sont séparés. Et quand vous posez la tête sur la boule, la tête reste collée via un aimant. Par contre, il faut trouver dans quel sens elle est. On va trouver où l'élément. Ah. pour l'instant, nous allons regarder donc, le socle de rechargement. Donc c'est un socle de rechargement via induction. Juste à poser le BB-8 dessus, le BB-8 se chargera. Toujours dans l'esprit Star Wars, avec les finitions, l'inclusion. Et voilà, la tête donc, du BB-8 est fixée. Donc, vous pouvez le voir, ça tient. Un bel accessoire pour les collectionneurs. Avec une boîte, un beau bracelet. En tout cas, un grand merci à Sphero France d'avoir fait confiance de nous avoir aidé ce petit BB-8 pour cet unboxing donc le Force Band. Un grand merci à vous et pour ma part je vous dis à la prochaine.